Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixis, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top, j'espère que votre week-end se passe plutôt bien, pour moi, eh bien c'est pareil, ça se passe de façon impeccable les gars, et vous allez me dire, aujourd'hui Drixis, qu'allons-nous faire, car hier tu nous as quand même vendu du lourd, hein, sécurité civile, secours en mer, en hélicoptère, c'était quand même assez pas mal, assez inédit, surtout que nous avons testé pour la première fois Coastal Callout en vidéo. Mais avant de vous enflammer et d'aller la voir les gars, regardez d'abord celle-ci car j'ai du très très lourd également à vous présenter. Vous le voyez tout simplement en face de moi, une petite Volkswagen Passat, un véhicule qui est sorti sur Oula. Eh ben excuse-moi camarade, mais qu'est-ce que tu fais derrière moi là quand même hein. Et les gars, avant de continuer de vous présenter ce petit véhicule, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment très important pour ne rien louper. Si jamais vous aussi vous voulez acheter vos masques Drixis, c'est en description drixis-officiel.fr. Et si jamais vous voulez en plus de ça payer vos jeux moins chers, mon lien Instant Gaming est également en description. Alors je compte sur vous les gars. J'étais en train de vous dire que ce petit véhicule est sorti sur Urgence Mode hier ou avant-hier, je ne sais plus, excusez-moi. C'est un véhicule réalisé, converti par Modder Spain, qui est disponible sur GTA 5 Mode en version Unlocked, mais qui a été adapté en police par NZO 75 Mode. Donc il a tout simplement rajouté un gyro ainsi qu'un pare-soleil. C'est déjà un très bon boulot. Donc voilà, petit véhicule avec lequel nous allons patrouiller aujourd'hui. Hein. J'ai sorti le grand jeu là les gars, j'ai mis le gyro sur le toit. Hein. Petit deux-tons police nationale, hein, toujours. Hop, et on va tout de suite, hop là, le modifier pour tout simplement, voilà. J'ai mis le god mode du véhicule, mais juste en auto-réparation et auto-clean. Parce que moi, je suis un psycho dans ma tête. Si le véhicule n'est pas propre ou qu'il est abîmé, je pète un plomb et je n'arrive pas à patrouiller. Donc voilà, sinon, je peux quand même me faire éclater les pneus ou des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. Du coup, ce que l'on va faire là, c'est que nous allons tout simplement monter dans le véhicule. Et nous allons juste le changer de couleur. Est-ce que je peux le changer de couleur? J'aimerais bien un petit véhicule gris, moi, pour patrouiller. Voilà, comme ça. Et là, ça fait vraiment bac, je trouve. Là, j'aime beaucoup. Ok, ma petite manette, elle est ici. Et puis, on va commencer directement cette petite patrouille, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce sera pas mal. Je vais me mettre disponible. Oh. Ok, bah, je l'étais déjà, en fait. Donc, les gars, là, on est engagé tout simplement au nord, à l'est de Vanwood pour des coups de feu, apparemment. Donc, c'est parti, on s'engage. On est à la BAC, donc la brigade anticriminalité. On répond sur toutes les interventions les plus graves. Nous sommes sur la commune de Marseille. Donc peut-être que nous allons avoir affaire au quartier nord, je ne sais pas. En tout cas, nous partons pour une fusillade. Donc c'est parti, on y va. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Donc pour l'instant, je ne vais pas y toucher, mais je le ferai après. Allez, on s'écarte, on s'écarte. Impeccable, j'ai un kilomètre à parcourir encore avant d'arriver sur la zone où les coups de feu ont été entendus. Et là on traverse quasiment d'ores et déjà toute la ville. J'ai commencé au commissariat de Vespucci pour au final finir dans le quartier de Mirror Park. Allez, on se dépêche là, 500 mètres avant d'arriver sur ma zone d'intervention. Ok, c'est par ici. Est-ce que je suis le seul équipage engagé ou est-ce qu'il y a d'autres collègues? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on fait pas dans la dentelle. Ok. Ok, les gars. Oh, ok. La femme est armée, la femme est armée. Qui est-ce qui a ouvert le feu, là? Qui est-ce qui a ouvert le feu? Ok, il y a une fusillade là-bas. Oh, ok, je me fais percuter, les gars. On est en train de se faire prendre un parti par d'autres individus là-bas. Arrêtez-vous, c'est la police! Arrêtez-vous, c'est la police! Ok, ok, ok. Waouh, c'est dingue ça! C'est dingue, je demande tout de suite, les gars, rapidement, les marins-pompiers de Marseille avec un VSAV. Je demande également la police municipale ainsi que un OPJ. Allez, regardez, le BMPM se présente déjà sur l'intervention. Waouh, c'était dingue par contre, là je m'attendais pas à ça. Ok, il y a les collègues de la police qui sont déjà présents, qui se sont présentés. Moi je vais juste vite fait
Hop, salut, merci. Ok, se réhabiliter, je vais me réhabiliter là. Remettre mon gilet pare-balles comme il faut. Ok, super. Allez. Il y a les équipages de police qui se présentent. Waouh, regardez-moi ça, c'est dingue. La police municipale se présente également sur zone. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à la police municipale? Tout simplement parce que c'est eux qui vont faire l'intermédiaire entre la zone ainsi que la mairie. Comme ça, et en plus, ça reste quand même la police de la ville et ils se doivent d'être sur intervention sur une fusillade. Donc voilà, la police municipale est présente. Salut les gars. Donc voilà, nous, back de Marseille, hein, on s'est fait prendre à partie par une femme. Enfin, on partait pour une femme, tout simplement, qui portait un fusil. On est arrivé à tirer sur des personnes. D'autres se sont interposés, fusillade. On a dû faire feu sur 4 personnes. Allez, impeccable. Ok, qu'est-ce que ça dit là? Les marins-pompiers de Marseille, eux, prennent en charge. Je vais faire évacuer tous les véhicules, moi. Demander une dépanneuse, impeccable. Je demande une dépanneuse ici aussi. Parfait. Oh, excuse-moi, camarade. Et il y avait un autre véhicule, là. Celui-là. Hop, les identités. Vous savez quoi, ce sont les collègues de la Mumu qui vont s'en occuper. Quand je dis la Mumu, c'est la municipale, hein, c'est pas du tout péjoratif. Regardez, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, eux, sont en train d'évacuer les personnes blessées. Il est où mon collègue, là? Ah, il est là. Ok, impeccable. Hop. Ok, les gars. On vient de nous signaler un véhicule qui serait déclaré volé juste à côté de nous. Donc on va aller voir ça. On va y aller, on va laisser les collègues sur zone continuer de travailler tranquillement. On va aller voir ça, nous. Ouais, je roule sur le trottoir, je suis un ouf. Ok, je vais essayer de me rapprocher du véhicule. Là, il a pris par ici. Il est parti à gauche. Il est signalé volé. Alors depuis quand, je n'en ai aucune idée. Ok. Il serait pas ici. Ok. Ça me dit bien celui qui est là-bas. Je le verrais bien voler, moi, vu comment il roule comme un ouf. Ok, les gars, le véhicule noir là-bas, là, il roule comme un malade. Ok, je lui ai demandé de se mettre sur le bas-côté. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? On va y aller. Oh, c'est la police, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Vous avez vu comment vous roulez là? Hein, vous avez vu comment vous roulez? Venez avec moi sur le côté. Ok les gars, je crois que c'est notre véhicule, hein. Il me semble que c'est celui-là. Ok, je vais l'interpeller. Excusez-moi, j'ai fait une faute, j'ai appuyé sur le bouton record. Allez. En plus, la police municipale était vraiment juste à côté de nous. Donc ils viennent de nous rejoindre. Bah tu vas en profiter pour me faire une palpation de sécurité. Oh, wow. Le véhicule, moi je vais juste faire les gars un contrôle au fichier. Ok. Il y a du stup sur lui. Sortez du véhicule s'il vous plaît. Sortez du véhicule s'il vous plaît. Bon, ok. Allez. Sortez du véhicule, mettez-vous au sol là. Mettez-vous au sol. Ok, j'interpelle les gars. Impeccable. Il y a les collègues de la nationale également qui sont sur place avec nous. Ok. Hop. Il y en a un autre qui me prend en charge la surveillance, les gars. Lui, du coup, police transport, il y en a un qui me l'emmène. Tu m'emmènes celui-là? Ok, le véhicule là. Hop, je demande une dépanneuse, les gars. On va pas faire dans la dentelle aujourd'hui, hein. Je vais emmener le deuxième moi-même. Hop, je vais le mettre dans mon véhicule, on va y aller comme ça. Allez, la dépanneuse va venir évacuer le véhicule. Donc, c'était bien le véhicule, hein. C'était bien celui-là qui nous avait été signalé.
Oh là, j'ai cru que j'allais planter. Installé à l'arrière car j'ai aussi modifié ça, vous l'avez vu dans ma vidéo du NYPD. Allez, installez-vous. Ok, il veut pas coopérer, et eh ben c'est très bien. Allez, je demande un transport pour lui aussi. Parfait. Allez, parfait. Pour nous, c'est réglé. Allez, viens là, camarade. Les autres collègues vont gérer la fin de l'intervention. Pour nous, c'est tout bon. Fin de l'intervention, nous sommes de nouveau disponibles. Il y a toujours les autres collègues qui sont présents ici, là, qui sont sur la scène de la fusillade, hein. Allez, nous les gars, on va reprendre notre patrouille. Regardez les beaux petits arbres qui sont là-bas. Donc je suis disponible, hein. Je suis disponible. Regardez les arbres là-bas, franchement, c'est impeccable. Je vais les laisser quelques temps, histoire de faire quelques patrouilles avec ça. Ok, on est juste à côté de notre zone d'intervention. Ok, c'est une personne qui est positif au Covid-19 et qui n'a pas respecté son isolement. Un homme wearing a blue shirt. Un t-shirt bleu. Ok, il est là-bas. On l'a localisé assez facilement. Oh là, oh là. Monsieur, bonjour. C'est la police, attendez là, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez là. Restez là, monsieur. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Vous êtes au courant que vous violez vos conditions d'isolement là pour le Covid-19? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une amende. Et il va être accompagné chez lui. Donc, je vais le raccompagner chez lui, ce monsieur. Et je vais lui mettre une amende en prime. Vous habitez où, monsieur, là? Ok. Ok, parfait. On lui a mis l'amende, hein, déjà, pour violation de ça, là. Et son domicile, il est où? Faut que j'attende qu'il monte, je crois. Hé, pep. Hé, qu'est-ce que vous faites, là? Oh! Attendez, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors je sais pas pourquoi il me fait ça. Il est où? Bon, ok, bon bah. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh, mais attendez, je suis pas certain d'avoir 4 places dans ce véhicule là. Moi, il est peut-être pas si fou, hein, ce véhicule là. On va regarder ça tout de suite. Regardez. Hop. Eh, bah si, les gars, il y a 4 places, hein. Bon, je sais pas pourquoi ça nous a fait ça. C'est pas grave. On part du principe que l'individu a été accompagné chez lui par un taxi. Et puis pour nous, fin d'intervention, on est un petit peu gentil quand même de proposer nos services pour accompagner les gens. Ce n'est pas notre métier, je ne le ferai plus. Parce que voilà ce que ça donne. Allez, on va reprendre notre petite patrouille du coup là. Deuxième petite intervention plutôt tranquille, hein. Troisième. Je vais boire un coup. Oh là, oh là, oh là. Les gars, faut rester sur votre fil, hein. Sinon c'est pas ouf ça. C'est vachement stylé quand même. Je trouve ça vachement stylé, tous ces arbres. Si je passe là-bas, ça m'amène nous. Ouais, non, ça me fait passer hors de mon secteur. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ok, bon. Ok, les gars, on est engagé sur un braquage. C'est parti, on y va. Braquage en cours, ça c'est typiquement le travail de la BAC. Oh, la gendarmerie nationale. Allez, on y va, je me dépêche là. Oh, je vais largement arriver avant que les braqueurs s'envolent. On va peut-être réussir à les prendre en flag. Ah, le poids lourd. Ok, c'est où les gars? C'est où que ça se fait braquer? Oh, ok, c'est là-bas. Ok, il est monté dans un véhicule. Il est redescendu. Il a lâché son sac déjà, C'est la BAC. Bougez plus. Mettez-vous debout, les mains en évidence.
Allez, mettez-vous au sol immédiatement, là, mettez-vous au sol immédiatement. Il était tout seul, je crois. J'ai vu qu'une seule personne sortir du magasin, moi. Ok, impeccable. Individu interpellé. Oh, mon brave, là, c'est quoi ces conneries? Hein? Allez. Tu me fais une palpation de sécurité, s'il te plaît? Moi, je fais un contrôle au fichier des personnes recherchées. Quoique, non, je l'ai pas encore accès. Je vais aller dans la boutique. Bonjour. Ok, il y a tous les policiers qui sont qui ont pop. Eux, je vais tous leur dire que c'est bon. C'est ceux de l'intervention tout à l'heure. Vu que je ne leur ai pas dit que c'était bon pour eux, ils pensent qu'ils sont encore avec moi. Mais non, les gars, on a chacun repris notre vie. On peut pas vivre tout le temps ensemble, hein, vous le savez. Allez, l'APM aussi. Impeccable. Je vous libère tous. Vous êtes tous des grands garçons. Parfait. Bon bah voilà les gars, y a pas de victime, pas de blessé par balle, c'est impeccable. Apparemment il a pas ouvert le feu. Est-ce qu'il est armé déjà? Je n'en ai aucune idée. Hein? C'est déjà une bonne question, j'ai pas vu ce que ça avait donné la fouille, il m'aurait dit mon collègue. Alors du coup ça, hop, FPR. Je vais essayer de le mettre dans mon véhicule et si jamais ça marche pas, je demande une patrouille pour l'évacuer. Mais ça devrait le faire, je sais pas pourquoi ça fait ça depuis un certain temps. On va l'installer à l'arrière. Hein. Installez-vous. Ok, bon bah il ressort, allez. Je demande un transport. Parfait. Il y a une patrouille qui est engagée pour transporter l'individu. Le collègue, lui, il revient. Regardez, le master est là-bas qui va emmener le monsieur. Allez, reviens là. Parfait. Et puis pour nous, les gars, fin d'intervention. Allez, je suis de nouveau dispo en banalisé. Avec mon petit véhicule plutôt sympathique. Oh là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un collègue qui fait un petit contrôle. Ok, impeccable. Si ça se passe bien, moi je suis heureux. Bon, nous sommes de retour en patrouille hein, pour le coup. Pourquoi elle crie la dame là? Pourquoi elle crie? Hey, how are you? Bah ça va, le collègue là, le code de la route, pour lui, il avait un véhicule avec marqué police et un gyrophare bleu, il s'est dit que c'était OSEF pour lui, pas besoin de le respecter. Bah bravo, hein, bah bravo. C'est quoi cette espèce de parabole? Non, c'est une soucoupe volante, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ça ici, moi. C'est pas grave. Allez. On va aller patrouiller tranquillement en attendant une prochaine intervention ou un flagrant délit. Ok. Il y aurait une prostituée, les gars. On va y aller. On va aller voir ça. Attendez, en fait, non. On a un braquage en cours, un second braquage qui vient d'être signalé. Elle a de la chance. Elle s'en sort bien parce que là, moi, j'étais parti pour aller contrôler la prostituée. Ok, 800 mètres, 34 secondes, ça va le faire. Hein. On est large de ouf même. Ils font ça les mecs juste à côté d'un commissariat quoi. Ils sont pas trop idiots, ça va. Hein. Regardez comment je bombarde. Ah bah en plus ils font ça dans une boutique de luxe. Ok, c'est où? Où a lieu le braquage là? Ok, c'est ici. Le braqueur est là. Ok, on y va. Ils sont deux. Oh là. Ils sont deux. Je vais demander des patrouilles supplémentaires. Ok, ils sont où? Y'en a un là. Arrête-toi, ça sert à rien. Ok, il est tasé. Arrête-toi et lâche ton arme. Lâche ton arme, tout de suite, mets-toi au sol. Allez. Ok. Il a lâché l'arme. Ok, j'ai l'arme de poing. J'interpelle. Il est où le second, là? Ok, il remonte en courant direction Vinewood.
J'interpelle celui-là, je demande une patrouille et je vais rejoindre mon collègue. Parce que du coup, lui, il est parti tout seul, mon collègue, là. Ok, police transport, c'est parti. Ils vont m'engager un véhicule. Allez, c'est parti, les gars, là. Bon, il redescend en courant, apparemment, là, l'individu, hein. C'est pas un expert, j'ai l'impression. Ok. Ok, les collègues interpellent. Impeccable. Bah ouais, mon grand. Tu joues au fou, là, mais bon, hein. Tu sais très bien comment ça finit, ce genre de choses. Allez, parfait. Là-bas, il y a la patrouille. C'est un 5008 qui est en train d'évacuer l'autre individu. Il y a un petit duster, un petit véhicule de police municipale. Eh ben, c'est parfait, tout ça. Le gars, vous me l'emmenez aussi? Vous me le prenez? Tu me l'emmènes? Allez, impeccable. Bon, bah, c'est parfait, tout ça. Oh là! Je vais évacuer, je vais retirer les unités supplémentaires, moi, les gars, là. Toutes les unités de police municipale. Salut, toi aussi, du coup, c'est bon. Tu vas pouvoir y aller, hein. Impeccable, merci, les gars. Ils sont en train d'évacuer. Je sais pas si tu fais partie de la patrouille qui l'évacue, mais en tout cas, pour toi, c'est bon aussi. Après, Wanted, Wanted Suspect, les gars, nouvelle intervention. Corey Hutchison. Corey Hutchison. Ok. Je fais une petite recherche. Il est recherché par la police pour des faits, des courses de rue dans deux affaires. Eh ben, c'est parfait tout ça, on va aller voir ça. Eh ben, ça n'arrête pas, les gars, la BAC de Marseille, ça chauffe toute la journée, hein. Oh là, ah oui, par contre, il a un petit problème de moto, lui. J'avais pas fait gaffe en passant tout à l'heure, moi. Ce n'est pas de ma faute, j'espère, hein. Allez, on s'incarne, je dois aller interpeller un individu dangereux qui pourrait tuer vos femmes si jamais vous bougez pas. Allez, c'est parti, hop. 500 mètres. Ok, pour pas se faire repérer, les gars, je vais tout de suite couper mon gyro. Je retire mon pare-soleil police. Oh, c'est bon, hein. On va se détendre. Ah, attendez, c'est laquelle? C'est ici. On va s'approcher tout doucement de l'adresse de l'individu. Ok, ce serait là. On va s'approcher doucement. On va aller voir ça délicatement. Ce sera encore plus loin. Ok, ce serait là. À droite ou à gauche? Très bonne question, ça, Drixis. Ok, il y a un individu dans le jardin là-bas. Ah, on n'est pas du bon côté par contre. Ok, je pense que ça doit être celui qui est là-bas. Alors les gars, on va le prendre un peu à revers. Ok, bon. Ce qu'on fait, c'est que on saute le mur et on l'interpelle. Bougez plus! Police! Ok, il a une arme, il a une arme. Il est armé les gars. Ok, je change d'arme du coup. Lâchez votre arme tout de suite, mettez-vous au sol. Eh, je le sentais que c'était lui. Impeccable, la technique, il s'y attendait pas, le mec. Parce que là, il s'était mis dans une position où il nous voyait venir par là-bas. Que là, par contre, eh, je l'ai bien eu, par contre. Là, franchement, je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi. Le collègue, lui, il arrive après la guerre, hein. Par contre, comment je vais faire pour retourner à mon véhicule? Ok. Est-ce que je peux passer par-dessus là, là? Non. Je vais faire comme ça, vous savez quoi, on va faire le tour par ici. Hop, je vais passer dans le jardin d'à côté, il y a un escalier pour remonter, j'ai vu. Donc on va faire ça, on va utiliser de toutes les ressources qui sont à notre disposition, hein. Hop. Et ici, normalement, il y a mon véhicule qui est garé. Et c'est impeccable. Parfait, ça. Alors, mon brave,
On va faire un petit contrôle quand même, hein. Contrôle FPR, petite palpation de sécurité. Savoir s'il a d'autres choses qu'une micro SMG sur lui. Ensuite, je vais regarder le numéro de licence de l'arme qu'il avait en main pour savoir si c'est la sienne ou si elle est volée. Une grenade, bah voyons. Impeccable. Oh, il y a un trafic de stup en cours, les gars. Allez, hop. On va regarder pour l'arme. Micro SMG, à qui appartient-elle? Elle n'est pas enregistrée. D'accord, bon bah voilà, c'est une arme non enregistrée. Je demande un police transport. J'ai rien sur moi là comme substance. Ok. Bon bah voilà. Allez, on va attendre la patrouille qui va venir l'évacuer. Petit 5008 police nationale qui arrive, hein. Ah bah voilà, bien évidemment, tout se passait bien, fallait qu'il foute le nez dans la poubelle, hein. Allez, parfait. Mon collègue, là, ça va être impeccable, ça sera une fin de patrouille, les amis, ainsi qu'une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon fin de week-end, enfin une bonne fin de week-end. Bon courage pour les cours à partir de demain. De toute manière, on se retrouve demain pour une vidéo à 7h, comme d'habitude, hein, Cédric 6, les amis. Et ciao, bye bye, bon courage.